Allez, salut tout le monde, c'est Flojo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 17 de notre Let's Play sur Alice Madness Returns. Quel bien s'était laissé la dernière fois, presque devant la reine, puisque là, on va aller voir la reine qui, eh bien, comme le bon Gisk l'a dit, eh bien, il va falloir qu'on va s'expliquer avec elle. Et de même que le chat de Cheshire nous a dit, n'en fais qu'à ta tête, vas-y, défonce-la. Et on va y aller. On y va direct. Je suis très chaud, hein, aujourd'hui. Ça peut paraître bizarre, mais je... Ça commence. Et voilà, on dégage. Ouais, si je m'arrêtais là, c'était parce que ça faisait trop long, sinon. Attends, il y a bien un truc derrière. Bon, il y a un autre gars. Il y a un groin. Eh! Mais je sautais là. Tu te fous de mon gueule? Ah merde, putain, à chaque fois je me gourre, putain. Pas possible ça. Putain, le fail, mais les fails, je n'en peux plus. J'entends le groin. Attendez, hop, on va. Ah mais il est par là. Attends. Ah putain, mais je suis le con. Ah, je suis un con. Bon, ça nous régénère un peu la vie. C'est good. Putain, mes roses de pin. J'ai pas pu vous le faire, hein, la dernière rose de pin. Dans un chapitre, parce que ça buguait. La salle radula. Malheureusement. Je pense que j'aurais dû peut-être vous proposer le let's play sur la version PS3. Bon, qui est aussi un peu full buggé. Mais qui, à la limite, aurait été pas plus mal. Vous voyez, on doit aller là-bas, à la porte. Et c'est là où ça va nous mener à la reine. Le petit panier des familles. Voilà. Ok, petit panier qui nous donne des bons trucs. Il y a l'autre gars là-haut, l'autre gars Joe que j'ai vu, qu'on va aller lui démonter sa tête, sa tronche. Ah. Mais c'est quoi ce délire? Ah ouais, oh d'accord. D'accord, j'ai compris. Il fallait que j'abaisse l'autre en bas. Je suis vraiment con. Ah putain, mais je vais trop vite. Mais c'est pas possible. Attendez. Voilà. Oh bah j'y suis arrivé. Par le Saint-Esprit de Marie-Joseph. Oh là là, mais le jeu est full bugué. Moi je vous le dis, hein, le jeu est full bugué. Oh merde, putain, c'est pas possible. Ah mais voilà, j'ai gratté le bordel. Non, tombe pas, ne tombe pas, fais pas le con. Et voilà, on va enfin voir la reine. Avec notre somptueuse Alice. Ah, peut-être pas. Déplace le pion sur l'échiquier, le pion oppose, il imite tes mouvements. Ok. Termine l'énigme du jeu d'échecs, les deux pions à leur destination au même moment. Très bien. Les tours se dessineront, les pieds. Évite les cavaliers. Termine. Oh putain, truc d'échec, je suis complètement nul à ces genre de trucs là. Bon, ça ok.
Ok, ça c'est worse. Là c'est ok. Putain, what the fuck, moi qui comprenais rien aux échecs, j'ai fait ça easy quoi. What the fuck. Distrait les ennemis avec la chronobombe. Encore. Ah, il est là. Et le gros 1. Le petit gros 1. Ok. Ah. Qui nous délivre le petit passage. Ok. Ah. Un petit truc. Un petit souvenir. Une chambre fermée n'est rien d'autre qu'une cage. Presque une prison. Je ne supporte pas d'être enfermée. D'accord. Donc on peut dire qu'elle s'est barrée. Mais apparemment elle est peut-être morte. Mais non, on peut supposer qu'elle s'est barrée, oui. Alors, ok. Oh, mais le revoilà. Le revoilà, oh putain. Fuis Alice, fuis. Fuis autant que tu peux. Oh là là. Je suis tombé où là? Je suis tombé dans la cage au loup quoi. Ah mais à chaque fois je me trompe. Cherche la reine, mais souviens-toi, elle n'a Dieu que pour toi. D'accord. Elle n'a que Dieu que pour moi. C'est-à-dire que. Elle sait où je suis. Elle sait où je suis. Alors. Alors voilà. Garde en armure. Ok. Ennemi qui a level up. Ah putain, mais c'est pourquoi c'est aussi chiant? Pourquoi c'est aussi pourquoi j'ai fait un truc aussi chiant? Ok, donc les gardes en armure. Ok, ça c'est fait. Oh non, il me dit pas qu'il y en a. Ok. Ok. On enchaîne. On enchaîne. Très bien. Ok, on peut continuer. Y a rien. Ok, très bien. On continue par là. Là, c'est délabré ici. Ah. Wait. Ah, ok, fallait descendre. J'entends un groin encore. C'est encore loin. Putain, mais c'est fou. C'est fou. Donc là, je pense que vous le savez tout ce qui c'est. Ah non. Merde, putain, fais chier. Et là. Ouais, je l'ai entendu. Voilà. Entendu. Oh mais à chaque fois je me fais. Mais non mais je me fais couillonner à chaque fois. Ah mais je suis con. Ah je suis con. Pourquoi je fais pas ça? Bah voilà. Je suis un idiot aussi. Oh mais non. Mais c'est. Oh. Possible ça, c'est pas possible d'être aussi corrompu.
Oh là là. Pas possible. On peut pas récupérer les trucs à la con là. Bon écoute, tant pis. On verra ça plus tard. Ah évidemment, on doit refaire le même truc, putain. Allez, casse-moi ça là. La grenade. Oh putain. Oh putain. Ben non, voilà. Putain, c'est pas possible. Chiant. Voilà. Bouteille. Comment c'est dur. C'est dur. Putain, ça devient de plus en plus complexe, quoi. Les passages. Attendez. Ok, alors on va foutre ça, évidemment, la machine ici, voilà. Là, cela, on va les démonter, évidemment. Aïe! Putain! Allô? Putain, en voilà un. Aïe, bâtard! Putain! Dégage! Mais dégagez-moi ça, la grenade, putain de merde! Aïe putain. Ah. Dégage-moi ça, la grenade, voilà. Putain. C'est chaud. Et donc là. Putain, je crois que je vais pas y arriver. Ok. Et voilà, très bien. Ok. Tire le levier. Est-ce que ça va arriver à l'arène? On verra ça. Tout de suite. Pour cette garde royale, nous sommes tous des condamnés. Ok. Nous sommes tous des condamnés. Très bien. Et là, je pense qu'il va y avoir encore un combat. Oh là là, mais attendez. Il va pas venir, j'espère, l'autre. L'autre fou, là. Ah, putain. Oh, si, il vient. Oh, l'autre fou. Il est là. Oh, my God. Comment vais-je faire? Oh là là. Ah, dégage, dégage. Bon, faut déjà que je batte les petits ennemis avant de prendre les gros. Putain. Putain, mais il y en a combien des trucs comme ça? Bon, lui, il est mort. Putain, mais il y en a combien sans deck? Il n'y a pas qu'il réparait ça à l'infini là. C'est vieux fou.
Attendez. Oh merde, putain, quel con. Merde. Pas aussi bien. Attends. Des... Putain. Oh là là. Mais foutez-moi son camp, hein, ce gars. C'est quoi ce délire? Ok. Oh putain. On est téléporté. Perdu, rétréci pour distinguer le chemin. Oh putain, mais on est encore où là, sans deck? On est... dans un niveau que j'aime pas. Clairement. Et le tonnerre se rapproche. Et ça sent... Vous sentez la reine qui va arriver. Ah putain. Oh putain, j'aime pas ça. Mais non, mais... Quel idiot! Il est affreux ce jeu pour ça. Ah putain. Voilà. J'ai eu peur, je n'allais pas le faire. Je l'ai fait, les gars. Oh, c'est orageux. On peut le faire. Ok. On l'a toujours pas battu, l'autre. Donc là, je pense qu'on va le battre dans une certaine mesure. Ça va être bien sympa. Enfin, j'espère. Ok. Très bien. Là, on enchaîne. Ça, c'est worse. C'est worf, plutôt. Worf, c'est nul. Putain, mais là encore. Pas possible. Bon, ça. Ça dégage à la grenade. Ça dégage à la grenade. Ok. Bon, là-bas, il y a clairement un truc. Oh non, putain, j'ai pas vu. Quel con. Bon, là, c'est la rose de pin. Ok. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait le petit souvenir des Lidl. Go le prendre. Go le prendre. Ok, très bien. À l'aide, Alice. Sauve-nous, Alice. Ne nous laisse pas, Alice. Ne nous abandonne pas, Alice. Reste avec nous. Bon, déjà, ça nous en dit beaucoup. Vous ne trouvez pas? Le à l'aide. Est-ce qu'on peut le coïncider avec avec l'incendie qui a eu lieu chez les Lidl? Tout nous fait croire que pour. Voilà.
C'est moi ou je... J'ai l'impression que je retourne en arrière. Alors que je pense pas. Ok, une petite bouteille. Donc là, c'est pour la chronobombe. Petite chronobombe. D'ailleurs, la robe, elle est sublime d'Alice. Hein. Je vous le dis clairement. Il y a combien de passages, là, what the fuck? Ok, bah, ah, bah, voilà. Un jour, un ivrogne m'a suivi dans les toilettes publiques. J'ai dû crier pour qu'il s'en aille. Bah, oui. Vaut mieux. Imaginons, elle l'a violé. Sans doute. Oula, un poivre. On va... Hop là, mettre le dernier. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On quitte. Et on retourne. Voilà. Très bien. On était passé à gauche. On passe par là. Voilà, ça nous parle encore de... De la sœur d'Alice. Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc d'étrange? Par où que je passe en deck? Ah oui, non, c'était la suite. Oh non, mais à chaque fois... À chaque fois, c'est la même connerie, là. Attendez. Y'a un pain. Y'a un pain. Voilà. Voilà. Tire sur la chaînette. Voilà. Ah, c'est peut-être la chaînette que j'avais vue en fait. Et pas la théière. Enfin. Putain. Ah, si, c'est ça. Ok. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud aux fesses. Putain, mais il est long le truc pour aller chez la sorcière. J'en sais rien si c'est une sorcière. Mais... Pour avoir quoi? Un truc d'or. Est-ce qu'on le fait? Est-ce vraiment utile? Non, putain, son deck. Voilà, remets-moi là. Putain. Ah là 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 là, ce jeu. Ce jeu, il va me rendre dingue. Encore s'il était fluide, si ça marchait bien. Si c'était worse. Eh ben non, non. Toujours plus. Toujours plus, toujours plus. Vous voyez là, je peux faire un petit aller-retour. Je fais le fou. Oui, je peux faire un petit aller-retour en faisant ça. Oh non, 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 non. Con. Con. Bon, écoutez, ça fait rien. Attends, je déteste ces plateformes. Je déteste. C'est un truc que je déteste. C'est bien un truc que je déteste, ces putains de plateformes. Qui me haïssent. Enfin, qui me pourrissent la vie. Ok. Bon, j'ai pas pris le bordel là-bas, parce que... OZF, hein. Concrètement parlant. Putain, mais il y a combien de passages? C'est insane. Attends, si on prend ça... Ok, faut vite faire le tour, moi je recule quand même l'héros. Donc il faudrait pas. Ah putain. Ok, on recommence. C'est quoi ces mécaniques de mort-moelle-neu là? Ça c'est vraiment des mécaniques à la zeub. Ah putain.
Voilà. Donc là, je pense qu'on peut au moins faire ça. Hop là. Regarde ces mécaniques étranges dans un dans Alice. Donc là, on passe par là. Voilà. Évidemment, ça va annoncer un fight. Je vous annonce que l'épisode sera un peu plus long. Parce que les niveaux sont grave longs. Hein. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, attends, attends. Attends, attends. Ah! Ah, dégage. Aïe aïe aïe. Attends, attends. Attends, attends, attends. Aïe putain, quel con. Ah putain. Ah non! Sans deck! Putain, sans déconner! Oh là là! Ah, il me ramène là, sauf que. Ok. Sauf que. Ah, les autres se sont barrés. Attends. Attends. Ah! Attends, mais... C'est what the fuck? Ah non, putain, saleté. Il est bugué ou quoi? C'est chelou. Putain, mais il est trop chaud ce boss.
Putain, j'y suis presque. C'est trop chaud. Ah putain, mais fais le con. Ah, salope. Ah. Putain. C'est trop chaud là, sans deck. Oh là là. J'ai cru que j'allais pas le faire. Oh, encore le revoilà. Oh putain, le revoilà. Non mais c'est pas possible. Ah, il fallait sauter. Ah, ah. Un reflet peut parfois en dire plus long que le sujet qu'il reflète. Ouais. Donc je pense qu'on va peut-être continuer. On va faire un épisode plus long. Parce que je sais pas. Débuter. Bon, ça peut être... Regarde un truc trop chiant. Ah. Couper la tête. Attendez. Si on fait quitter. Si on fait éluder. Bon, écoutez, on va se laisser là pour cet épisode 17. C'est beaucoup trop long. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 18 de notre Let's Play sur Alice Madness Return. J'espère que ça vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, commenter la vidéo et partager la vidéo. Dans le prochain épisode, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Hein, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je dis ça plein de fois. Dans le prochain épisode, on va rencontrer enfin la reine, je pense. Et on va voir ce qu'elle va nous dire. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 18 de notre Let's Play sur Alice Madness Returns. Allez, ciao et à très bientôt, c'était Foulouge. Bye bye. Et bien évidemment, vous savez tout ce qui c'est, la reine.